I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. You still got it? Like riding a bike, they say. Bonjour, bienvenue à tous au Dynamic Game de Chaland. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, une petite vidéo pour quelque chose qui m'a marqué il y a quelques temps. Là on est au mois de décembre, on va vous faire tester, je voulais parler un peu de cette vidéo, c'est Unreal Engine 5, je ne sais pas si je le prononce correctement. En fait c'est un nouveau moteur 3D qui va être appliqué sur toutes les PlayStation 5, les Xbox One Series X et sur PC. C'est un nouveau moteur graphique, alors vous verrez pas mal de vidéos, je vous mettrai un lien dessous. Une très bonne vidéo, j'ai vu d'un très bon journaliste sur YouTube qui vous décrira un peu tout le processus et toute l'expérience qu'on peut en tirer. Graphiquement parlant, c'est magnifique, c'est une nouvelle génération de moteur 3D. La première application s'est faite sur le Fortnite. Fortnite a récupéré ce Unreal Engine 5, voilà. Et je comptais vous le faire découvrir rapidement, comme tous les petits tests à l'arrache du midi. Allez, je vous fais découvrir ça les amis, vous allez voir, ça calme. Hein. Graphiquement parlant, ça calme pas mal. Allez, à tout de suite. Bien sûr sur PlayStation 5, donc c'est une démo que vous pouvez télécharger directement sur le PlayStation Network. Donc graphiquement parlant, vous allez voir, j'étais assez époustouflé, on n'a pas pu trop en parler. On a parlé à l'époque avec Martin, mon petit stagiaire, parce que la vidéo est sortie à la même période. Dans la même période, vous allez voir graphiquement, ça calme. Donc forcément c'est sous-titré en français, on va retrouver les voix de Keanu Reeves. C'est une grosse claque visuelle. Donc quand on se dit que tous ces moteur graphique va être appliqué sur la majorité des jeux qu'on va pouvoir voir prochainement, ça calme. On se dit déjà là, est-ce que c'est une image réelle? Donc oui, là c'est un film, il n'y a pas de problème. Vous allez voir que la ressemblance entre le virtuel et le réel est assez bien mixée, assez bien mélangée, et pour s'y retrouver, c'est pas évident les amis, c'est pas évident du tout. Alors voilà un exemple, la qualité d'image ou du mélange qu'on peut faire entre l'image virtuelle, 3D et l'image réelle. Donc là, c'est une image virtuelle, on est bien d'accord, là on s'en rend compte, mais sur l'image précédente, pas forcément. Oh là là là, la qualité d'image. De toute façon, la majorité des professionnels vous diront tous, c'est hallucinant. Oh, l'évolution de fou. On s'attend à des trucs de dingue, les amis. Il y a des trucs de dingue. Je savais qu'il y avait une évolution possible encore, mais là, c'est vraiment très très impressionnant. Alors, on va se faire un petit gameplay. Et je vous laisserai donc en lien un test. Vous allez voir, un test assez complet. Regardez, pas de temps de chargement, enfin, on est sur PS5 bien sûr. Et je remercie notre ami Guillaume qui m'a prêté sa console parce qu'on ne trouve pas de PS5 en ce moment. Donc ça fait un peu plus d'un an qu'il me l'a prêté. Je te la rendrai un jour Guillaume, hein, t'inquiète pas. Tu es dédicace pour mon ami Guillaume. Allez, ça va être à moi de jouer, forcément. Donc on peut changer d'objectif. Bon, le but c'est de tirer sur les pneus. Dire ah, pas une Porsche, non, certainement pas. Ouais, voiture de flic, pas de problème. Ah, on a ses pieds de préférence, hein, les amis. Aïe, jusqu'on se recharge. Ouh, c'est terrible, très immersif. Mais regardez-moi cette qualité d'image, regardez-moi ces débris qui volent à droite et à gauche. Oh, le nombre de polygones en mètre carré, c'est un truc de fou. Donc là, on est sur un petit écran de qualité correcte. Ouh. C'est pas forcément ma cam ce style de jeu, mais graphiquement, oh non, encore pitié, trop tard, non, trop tard. Donc ça, vous rassurez-vous, ça fait partie du scénario. Ah, terrible de chez terrible. Forcément. Un peu plus compliqué. Allez, quelque chose de plus sérieux maintenant. Allez, quelque chose de plus sérieux. Normalement, on devrait changer d'arme. Je vous cache pas que j'ai essayé la démo. Déjà, j'ai essayé avec Martin et ça avait bien enthousiasmé. On n'en revenait pas. De la qualité d'image, on n'en revenait pas. Ouh, terrible.
c'est un peu téléguidé, mais graphiquement parlant, on se dit qu'est-ce qu'ils vont nous faire, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les amis. Allez, je vous laisse la surprise pour le reste. Et voilà ce qui vous attend avec l'Unreal Engine 5. Ouais, donc vous verrez une petite vidéo en lien que je vais mettre juste en dessous. Vous pourrez visionner tous les commentaires du journaliste. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Des tests assez objectifs. Là, on a la possibilité ici de visualiser toute la ville, de vous balader en ville, de survoler un peu le nombre de polygones, le nombre de personnes. Mais le moteur, il est énorme, énorme. Donc je suis pressé qu'il puisse l'appliquer sur pas mal de jeux. Pour l'instant, c'est juste appliqué sur Fortnite pour l'instant. Donc c'est vrai qu'on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'avec une image en 3D, même sur PS5, c'est vrai qu'il est amélioré, mais ce sera un jeu comme Gran Turismo, Horizon, Forbidden West qui va sortir dans un mois. Là, ça vaudrait vraiment le coup de pouvoir le faire tourner en Unreal Engine 5. Alors j'espère que tous les développeurs de microprocesseurs, tous les développeurs de moteurs 3D vont s'y mettre, les amis, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc l'avenir est plutôt sympathique pour l'avenir du jeu vidéo. Je pense qu'au niveau qualité d'image, ça calme. Je vous laisserai découvrir cette vidéo. Vous pouvez la télécharger directement sur le PlayStation Network. Je ne sais pas sur Xbox, je pense pas, uniquement sur PC aussi. Donc je vous invite à tester ça et à regarder la vidéo en entière sur un de mes journalistes préférés. Allez, voilà, à très bientôt.